Hey, salut Gourgandin et Gourgandine, c'est CodeKiller49, bienvenue dans cette vidéo sur Black Light Retribution. Aujourd'hui on va parler Big News, puisqu'il y a une annonce d'update de la part de Perfect World afin de rapprocher les versions PC et PS4 du jeu. Alors pour ceux qui ne le sauraient pas, Perfect World est l'éditeur de Black Light sur PC. Cependant, les studios zombies ont jusqu'ici développé les versions PC et PS4, et ils détenaient la totalité des droits sur la version PS4. En tout cas, les studios Art Suite Labs ont racheté les droits de la version PS4, Art Suite Labs étant formé d'anciens membres des studios zombies, et ils ont décidé de se rapprocher de Perfect World afin d'avoir des versions PS4 et PC similaires. Le but en fait, c'est vraiment que les deux versions aient exactement les mêmes mises à jour par la suite, et qu'elles aient exactement le même contenu. C'est la raison pour laquelle, quand bien même on ne sait pas s'il y aura du cross-platform, on va avoir un rééquilibrage du jeu, avec exactement les mêmes items sur PS4 et sur PC. Alors il faudra quand même s'attendre à quelques soucis, comme par exemple devoir retélécharger le launcher et le jeu, puisque comme j'ai dit précédemment, le but c'est d'avoir exactement la même chose, et c'est pas du tout le cas actuellement. Entre les versions PS4 et PC, on devra aussi s'attendre peut-être à avoir des armes nerfées, puisque comme j'ai parlé d'équilibrage, ça passe aussi par les armes. Je ne sais pas encore si on aura des armes qui seront totalement nerfées, si on aura juste quelques composantes des armes nerfées, ou si éventuellement des armes seront supprimées. On ne le sait pas encore, Perfect World est assez flou là-dessus. D'ailleurs, Perfect World est aussi assez flou sur la date de cette mise à jour. Quand bien même ils ont fait une annonce, ils n'ont pas annoncé la date. Ils préfèrent attendre d'avoir une version, en tout cas deux versions PS4 et PC, qui soient similaires et totalement jouables. C'est pas forcément désagréable, en tout cas nous ça nous permet de gagner un petit peu de GP jusqu'ici, en attendant de pouvoir attendre cette mise à jour. Il faudra quand même s'attendre à peut-être avoir quelques items qui disparaîtront de notre inventaire, mais Perfect World a annoncé qu'il y aura une compensation. Par exemple, si vous perdez, un viseur, ou si votre arme est trop nerfée, vous aurez quand même des compensations. On vous offrira, un item, un petit atout, un camouflage, autre chose. Perfect World, encore une fois, très flou là-dessus. Voilà, donc c'était la petite news que j'avais à faire. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à la partager et à mettre un like sur cette vidéo. On se dit à la prochaine en jeu sur Black Light Retribution, et puis sur ma chaîne. Sur ce, prenez soin de vous. À la prochaine, et n'oubliez pas, chabit partant bleu, chabit délicieux. Allez, bye tout le monde.